Voyons la possibilité qui nous est offerte dans un traitement de texte de faire l'explication de certains mots en y insérant simplement une note de bas de page. Sur le modèle, vous constatez qu'après le mot hermaphrodite dans le texte, un petit 1 apparaît qui renvoie simplement en bas de la page l'explication de ce terme. En positionnant ce curseur juste après le mot, à l'endroit où on veut insérer le petit 1, nous allons pouvoir aller dans le menu Insertion, tout simplement insérer une note de bas de page. En cliquant sur cette fonction, je vais garder ici une numérotation automatique afin qu'il les numérote toutes dans mon document. Je clique sur OK. Je vais alors avoir en bas de ma page une petite insertion d'une zone qui est la zone de note de bas de page, à ne pas confondre avec le pied de page que nous avons vu tout à l'heure. Vous avez dans votre texte un petit 1 qui est apparu automatiquement et vous n'avez plus simplement qu'à saisir la signification de ce terme, qui est alors la capacité à produire des gamètes mâles puis femelles. Vous n'avez rien d'autre à faire, puisque ce texte apparaît automatiquement et le renvoi du 1 ici nous donne simplement la signification. Lorsque je vais vouloir maintenant faire la deuxième note de bas de page, je vais aller cliquer après le mot véligère et je vais de nouveau aller dans Insertion, Note de bas de page, toujours faire OK en gardant la numérotation automatique et je vais constater cette fois-ci qu'en bas de la page 2, puisque le mot véligère est en page 2, apparaît alors une nouvelle note de bas de page qui numérote numéro 2. Et je n'ai plus qu'à saisir sa signification. Si par mégarde vous faites entrer à la fin de cette note de bas de page, vous les séparerez des suivantes. Vous pouvez supprimer cette ligne en recliquant à la fin de cette note et en faisant supr au clavier afin de supprimer cette ligne. Reste maintenant à faire la dernière note de bas de page, donc de cliquer après le mot pédivéligère, d'aller dans Insertion, Note de bas de page, toujours numérotation automatique, et vous constaterez alors une troisième note qui apparaît dans le bas de notre page. Vous n'avez plus qu'à saisir le texte que vous souhaitez . Voilà en ce qui concerne les insertions de notes de bas de page qui sont illimitées dans un grand document. C'est à vous.